yesterday, rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. Ce jour mémorable du 15 octobre, nos pensées et nos cœurs ne peuvent que rendre naturellement un hommage vibrant et mérité à l'homme de ce jour. Devenu une icône entrée dans la légende et élevée depuis au rang glorieux du héros national, j'ai nommé la mémoire du président Thomas Isidore Noël Sankara. Monsieur le président de la cérémonie, honorable membre de l'éminent présidium, distingués invités, laborieuse jeunesse du Faso et d'Afrique, mesdames, messieurs, la présente cérémonie en effet est celle de la sortie officielle d'un grand ouvrage à l'adresse première de la jeunesse d'ici et d'ailleurs, et il s'intitule « Manifeste pour une jeunesse responsable ». Son auteur, tout aussi grand que l'œuvre, homme de vive conviction, de grand cœur et d'énorme courage, est aujourd'hui une fierté de notre nation et de notre continent, mais aussi un exemple, une référence, une valeur précieuse. J'ai nommé son Excellence Jean-Baptiste Nathaman, alias Togo Tanam, officier, militaire, diplomate, politologue, juriste, écrivain, poète, essayiste, expert onusien et de l'Union africaine, actuel directeur du cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. L'homme est immense à la dimension et à la grandeur de l'auteur de l'œuvre. Homme des sciences, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer, docteur honoris causa de l'Université Chamonix, le docteur Abdoulaye Barrow, docteur en philosophie, précieux consultant auprès de l'UNESCO. Bref, le docteur Barrow est une richesse. Nous avons M. Léopold Kouhoun, grand diplômé de l'Université de Lille, M. le président de la cérémonie, honorable Jack Quinn. On n'oubliera pas qu'auparavant dans son pays, il fut un des plus hauts cadres du ministère des Affaires étrangères de 1991 à 1995.
avant de quitter pour l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, pour laquelle institution il servira le Burundi. Il entrera par la suite dans les Nations Unies de 1996 à 2002 pour servir ici la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. L'Union africaine l'appellera pour ouvrir sa mission au Soudan, pour le Darfour. Dans son pays, le Burkina Faso, il y a lieu de citer qu'il sera nommé en 2006 poste de secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEB et du NEPAD. L'homme est multidimensionnel et a occupé plusieurs autres fonctions éminentes dans son pays, en Afrique et dans la communauté internationale. Je n'oublie pas la raison de ce jour, le lancement du dernier ouvrage de l'intéressé. Mais il apparaissait nécessaire de le présenter dans sa vie active, avant la vie de la plume. C'est ici également un honneur pour moi de présider la cérémonie de lancement de la dernière publication de Jean-Baptiste Natama. Je voudrais le remercier une fois de plus pour sa considération à l'endroit de ma personne. C'est élogieux pour moi. Il fait partie de ce que certains appellent les enfants passerés, les petits passerés, tous marqués du souci du travail, tous azimuts, de la rigueur pour tout réussir, pour l'auréole et la construction du pays, dans une certaine discrétion, mais le savoir-faire. Sous l'angle de l'écriture, il a à son actif plusieurs publications antérieures, desquelles il est à retenir. Droits de l'homme et mécanismes africains d'évaluation par les pairs, Éducation du flamboyant en février 2009, Cotonou, Bénin. Le lancement de ce premier ouvrage de l'intéressé eut lieu ici à Ouagadougou. Je fus honoré d'avoir parrainé cette cérémonie de sortie en son temps du premier ouvrage majeur de cet auteur. Autre ouvrage, les partis politiques soudanais à la veille de la mise en œuvre des accords de Naivasha, en cours d'édition. Autre ouvrage, Tourbillon et paroles bleues, poème d'espoir, édition Kuljama, décembre 2004, Mexico, Mexique. Jean-Baptiste Natama est auteur également de plusieurs publications de recherche sur la paix, la sécurité et la gouvernance des peuples. L'ouvrage de Natama, qui nous rassemble ce jour, 15 octobre 2013, sortant des fonts baptismaux justement ce jour, 15 octobre 2013, a pour titre à rappeler pour qu'on me comprenne, Manifeste pour une jeunesse responsable. Le moment est particulier, disons crucial, disons terrible pour l'Afrique. Entre autres illustrations, et vous me comprendrez plus tard, ce qui, à mon sens, semble manquer à la jeunesse africaine de ce jour, ce sont des repères, lesquels existent en fait et qui proviennent des tréfonds, des entrailles de la terre Afrique et des valeurs de culture et de sagesse de l'Afrique. Ces valeurs ont pour nom l'honneur, la dignité, l'amour de la patrie et de son service malgré les limites. L'amour de la famille a chanté haut, acclamé haut au fronton des hymnes et des nations africaines. La foi en soi-même pour servir de son pays et la construction nationale. Le manifeste de Natama, pour qu'on me comprenne, chante les valeurs citoyennes et morales ainsi qu'il suit. La foi. Foi en son destin et en soi-même, page 13. L'amour, le service de la patrie, page 19. Le sens de la solidarité, page 29. Le courage, la persévérance,
Page 41, l'intégrité et le sens de l'honneur. Page 45, l'humilité, la tolérance. Page 49, la justice, la vérité. Page 50, l'ordre, la rigueur. Page 63, l'amour du travail, le sens de l'effort. Page 71, la vertu. Page 71. Il manque à notre temps, à l'Afrique qui se met debout et qui lutte. Il manque surtout à la jeunesse de véritables repères. Ces valeurs à cultiver à notre jeunesse, notamment le dit dans la préface de l'ouvrage, page 11, je cite. Vous l'aurez compris, s'adresse aux jeunes. Mon vœu le plus ardent, c'est que le manifeste pour une jeunesse responsable soit votre livre de chevet et que vous puissiez les partager avec vos amis, vos voisins, vos parents, vos connaissances. Je souhaite vivement qu'il entre dans les classes d'école, les cours d'université et autres cercles de formation, mais qu'également il pénètre dans nos campagnes, dans les moindres villages. Fin de citation. Ce livre a pour vocation d'être un bréviaire pour les générations montantes d'Afrique, pour qu'elles aient foi en elles-mêmes, en l'Afrique, que leur mère patrie doit être suffisante pour se construire et construire le monde. C'est pour cela que je suis heureux de présider au fin de sa sortie et lui souhaite un bel avenir pour la construction de l'Afrique, sa jeunesse et le devenir des hommes. Je vous remercie. En tant que modérateur, c'est tout un exercice très difficile de présenter une personnalité comme Dr Barrow, mais je vais ramasser en quelques mots tout son parcours très élogieux et très diversifié. Dr Barrow est docteur en philosophie. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou et à l'Institut national des hautes études internationales. Il est consultant international dans de grandes institutions comme l'UNESCO. Il est aussi éditorialiste au journal Le Pays. Il est auteur de plusieurs revues spécialisées. Mais avant ça, Dr Barrow fut un pensionné du PEMCA de Ouagadougou, de l'Université de Ouagadougou, de l'Université de Poitiers, de l'Université Paris 1 et de l'Académie française des relations internationales, d'où il est sorti major. Faites un bon pour lui. Dr Barrow est membre de la SKIP, la Société française pour la promotion de l'intelligence économique. Peut-être vous aurez l'occasion de lui poser directement les questions relativement à ça. Il est par ailleurs fondateur et ancien directeur de publication de la revue Alep BEP, auteur de plusieurs choses, de plusieurs revues dans les journaux et documents scientifiques. Il est polyglotte, il parle le français, l'allemand, le bambara, l'anglais, mais en ce qui nous concerne, nous allons lui demander de faire la présentation ou l'économie de documents en français. Donc sur ce, je donne la parole au Dr Barrow. Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous dire combien je me sens honoré de me retrouver à cette table aux côtés de notre aîné Metitenga, Frédéric Passeré, parce que depuis de très longues années, et pendant mes années justement du Pritané, nous écoutions religieusement les conférences qu'il venait nous faire au Pritané, et plus de 30 ans après me retrouver à ses côtés, et j'étais à sa réception à l'Académie de l'Outre-mer à Paris, une immense cérémonie qui a fait honneur vraiment
au Burkina et à son rayonnement sur la scène internationale. Donc, c'est vous dire combien je suis très ému de me retrouver à cette table. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de revenir sur la présentation proprement dite de l'œuvre, de faire un bref témoignage personnel sur l'auteur, car cela vous permettra de saisir facilement le sens de ma présence ici. Quand vous allez vous procurer l'ouvrage et que vous allez à la page 44 ou à la page 69 de son manifeste pour une jeunesse responsable, son excellent Jean-Baptiste Natama évoque son éducation morale, civique et militaire. À la page 69, il écrit que, je le cite, « La discipline m'a tout donné et a fait de moi ce que je suis. » Lorsque je lis cela, je comprends tout de suite qu'il fait allusion à nos belles et dures années de jeune enfant de troupe au prytané militaire de Kadiogo, rebaptisé sous la révolution ECR. Donc de 1977 à 1984, nous avions été élèves de la 6e en classe de terminale A au prytané militaire de Kadiogo, et bien sûr après mon bac, et à cause des vicissitudes de l'histoire, son excellent Jean-Baptiste Natama a poursuivi bien sûr son cheminement militaire, et moi j'ai plutôt été amené à répondre à l'appel de la philosophie et des études internationales et stratégiques qu'à celui des armes. Mais je peux témoigner que durant nos années PMK, il y a toujours eu chez lui ce que j'appelle une droiture de l'esprit, un sens de l'honneur qu'il avait souvent tendance à exprimer maladroitement et qui souvent nous agaçait, et ce qui faisait que lui se sentait un éternel incompris. Donc il avait déjà au PMK un goût très prononcé pour les joutes intellectuelles, et c'était un homme foncièrement amoureux, je dirais, des lettres, et notamment bien sûr des lettres africaines. Et je dois dire aussi que, au sens noble du terme, Jean-Baptiste Natama, je le qualifie, comme disait Aristote, c'est un animal politique, au sens noble du terme, hein. C'est pas au sens politicien, je dis bien au sens noble du terme, c'est un animal politique, car par instinct et par tempérament, il a toujours aimé les charmes de l'engagement, par exemple délégué de classe, responsable de ceci, les semaines culturelles au PMK. Donc c'est quelqu'un toujours qui a été, il a toujours aimé les charmes de l'engagement, quitte à ce que cela bien sûr le mette souvent en contradiction avec lui-même. Et pour comprendre son propos dans ce manifeste, il faut savoir qu'avec ce livre, si vous le lisez, il effectue au fait un retour méditatif sincère et profond sur lui-même. C'est un véritable travail sur soi qu'il opère, car c'est ce retour justement sur lui-même qui lui permet de dégager ce que j'appelle sa vraie vocation sur les plans individuels et collectifs. Je tiens, avant de refermer cette parenthèse personnelle sur lui, pour dire que pour comprendre Jean-Baptiste Natama et comprendre son propos, il faut d'abord partir du présupposé que il est et il reste avant tout un homme libre. C'est un homme libre, quitte à en payer souvent bien sûr le prix de cette liberté-là. C'est un homme remarquablement franc et impartial dans l'expression de ses sentiments et de sa vision. Et d'ailleurs qui prend très au sérieux les impératifs de l'expérience. Donc depuis le PMK, on a compris tout de suite, nous qui étions ses amis et compagnons, que c'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité esthétique et qu'il était aussi doté d'une réelle capacité littéraire. Il a tout aimé bien écrit. Je vais revenir plus précisément maintenant au manifeste à proprement parler. Aujourd'hui plus encore qu'hier. Comme Camus, Jean-Baptiste Natama est un moraliste.
non un moralisateur, c'est-à-dire il ne cherche pas à donner des leçons de morale et de sagesse à la terre entière. Notamment, en tant qu'écrivain moraliste, développe une pensée et une écriture qui vont à contre-courant des discours dominants et des valeurs dominantes de notre époque. Si l'Afrique est bel et bien spirituellement et physiquement présente dans ce manifeste, si la jeunesse de notre continent s'y trouve en première ligne, l'auteur n'abandonne jamais ce que j'appelle l'horizon et la perspective de l'universalité, car il part du principe que l'existence humaine est plurielle. Les hommes, par-delà leurs différences ethniques, religieuses, idéologiques, forment entre eux une communauté fraternelle. En le lisant, j'ai relevé ceci. L'affection sincère qu'il porte ici à la jeunesse est touchante. Au fait, il invite les jeunes à ouvrir les yeux, à résister aux séductions éphémères du cynisme et du nihilisme qui conduit à la violence autodestructrice. Mais ce qui frappe avant tout dans ce manifeste, c'est sa puissante dimension spirituelle, voire utopique. Car ce que demande Jean-Baptiste notamment aux jeunes, c'est de fuir les vices et de pratiquer, voire de promouvoir les vertus. Dans le volet sur l'amour et le service de la patrie, quand vous le lirez, vous comprendrez que c'est un homme de l'enracinement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait d'où il vient. Je le cite à la page 26, qu'il est de toutes les luttes du peuple burkinabé. Dans sa réflexion sur l'altruisme et la solidarité, il est amené à dénoncer ce que j'appelle les ingrédients négatifs de l'existence, tels que la cupidité, le mensonge, la haine, l'injustice, la jalousie, la convoitise et l'envie. Il leur oppose la joie, l'honneur, la générosité, la compassion, la bienfaisance, la charité et ce qu'il appelle lui-même, à la page 34, l'écoute attentive et respectueuse. Le vice, le péché, le crime nous offrent des profits, tandis que la vertu exige renoncement, intégrité et sacrifice. Notamment rejette, ce que j'ai vite compris, la culpabilité morale. La culpabilité morale, c'est ce que le philosophe Karl Jaspers appelle l'aveuglement devant le malheur des autres, c'est-à-dire une indifférence intérieure au malheur d'autrui. C'est ça la culpabilité morale. Or, Natama dit bien dans son livre, dans son manifeste, que toute sa vie a été placée justement au service de l'autre, avec la reconnaissance de la richesse que représente la personne humaine. Mais cette conception humaniste du monde n'est pas du tout abstraite. Quand vous lirez, c'est le fruit de ses multiples engagements, notamment en faveur de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'unité africaine. En évoquant le courage et la persévérance parmi les valeurs qui lui sont chères, il invite les jeunes à ne pas confondre le courage et la témérité. Parce que l'homme raisonnable doit apprendre aussi à dompter la peur, bien sûr sans céder à la lâcheté morale. Car la persévérance est capitale dans la réussite de toutes les entreprises. Et on constate malheureusement que souvent, les jeunes, face au découragement, au désespoir, ont tendance à baisser facilement les bras. Quand ils traitent de l'intégrité et du sens de l'honneur, ils considèrent que l'intégrité et le sens de l'honneur sont intrinsèquement liés. Comme il le dit avec force et justesse, l'intégrité a un prix. Mais à la page 47, il estime que l'honneur embellit et orne la nature humaine. Quand il parle de la tolérance, il parle beaucoup de l'Ubuntu. C'est une philosophie sociale sud-africaine qui est bâtie sur l'idée effectivement de la reconnaissance de l'altérité de l'autre comme garantie du bien-être et de la stabilité sociale. Et c'est dans cette philosophie justement que l'Afrique du Sud a puisé pour réussir effectivement à surmonter les dégâts de l'apartheid. Lorsqu'il aborde la justice, la vérité, l'ordre et la rigueur, notamment c'est quelqu'un
qui a toujours su écouter sa petite musique intérieure. Dans certaines situations les plus extrêmes, l'homme est seul face à lui-même. Bien sûr, il y a la foi en Dieu, mais vous devez aussi savoir écouter votre propre petite musique intérieure. Et lui, c'est quelqu'un qui a toujours su écouter sa petite musique intérieure, sa propre musique intérieure, pour avancer sur tous les plans. Et je pense que c'est ça qui l'a beaucoup aidé à avancer sur tous les plans. Il estime qu'on ne peut pas bâtir ou construire un État et une nation sans partir de valeurs morales. Et en cela, c'est quelqu'un qui est hostile à l'État totalitaire ou dictatorial. Car l'État totalitaire ou l'État dictatorial est un État amoral qui s'est affranchi et émancipé de toutes les normes morales. L'État totalitaire nie la tradition. Or, c'est la tradition qui unit notre passé à notre présent et nous ouvre les portes du futur. Il termine cette réflexion en incitant les jeunes à se convertir à ce que lui-même appelle la religion de l'effort, à la page 74. Parce que effectivement, pour qu'il arrive où il est arrivé, sans cette religion de l'effort, je pense que aucune réussite individuelle n'est possible, encore moins tout projet collectif. Et moi, je peux en témoigner. Lorsque nous étions au Pétané, c'est un homme qui a toujours été un fou du travail. Chers jeunes, comme vous l'aurez compris, le talent, l'aptitude, sans dignité spirituelle, tout cela ne produit que rage et frustration. L'absence de valeur morale dans notre conduite affecte notre compréhension des autres et rend les jeunes suspects à eux-mêmes en rendant impossible leur confiance en leurs propres aspirations et en leurs propres convictions. Il demande aux jeunes de s'engager. Donc, son manifeste, c'est d'abord, je dirais, l'expression d'une confiance dans la jeunesse, d'une confiance en l'humanité, avec le manifeste pour une jeunesse responsable, notamment à vue juste, il a vu loin. C'est par le futur qu'il envisage pour la jeunesse que je peux dire que ce document est tout à fait recommandable. En le lisant, on note combien sa tâche était ardue, mais ce que je trouve remarquable, c'est qu'il ne s'y est pas dérobé. Il a tenté avec ce manifeste de purifier son moi contre toutes les séductions des vices qui persistent à rôder dans la nuit. A-t-il réussi? Je pense que la réponse lui viendra certainement des jeunes, de ses lecteurs et de ses lectrices qui le lui feront savoir. Ce qui commence bien sûr par l'acquisition et la lecture de ce sublime manifeste. Car il est temps que la jeunesse retrouve le sens de sa sécurité morale et spirituelle. Notre monde a besoin de spiritualité en vue de sa rédemption. Je vous remercie. La couleur du peuple, pour dire qu'il parle avec son cœur à la jeunesse africaine et notamment du Burkina Faso. Alors, l'œuvre est disponible ici même dans la salle, au coût de 5000 francs. Et pour toute personne qui achète l'œuvre dans cette salle, aura des mains dédicacées de l'auteur, un flyer qui sera inséré à l'intérieur des mains de l'auteur dédicacé et signé. Donc, maintenant, nous pouvons le dire. En fait, je représente ici un jeune ami qui s'appelle Sabadogo Mahamadé, un professeur de philosophie qui a reçu l'invitation, mais qui est en voyage. Il a insisté pour que je vienne. Sinon, moi-même, je suis vétérinaire et c'est les sciences biologiques. Et les sciences d'une façon générale qui sont ma préoccupation. Je voudrais mieux connaître l'auteur. Premièrement, comme il parle beaucoup de foi, de Dieu, ici habituellement on nous place les gens en mon père, ma mère, moi, c'est-à-dire les catholiques, les musulmans et les protestants. Je voudrais savoir à quel courant il appartient. Deuxièmement, je crois savoir qu'il a été militaire. Dans l'histoire de notre pays, surtout entre
1990. C'est l'armée qui a fait l'histoire du pays. Je voudrais savoir, pendant cette période-là, ce qu'il était. Moi-même, j'étais fonctionnaire de 1966 à 1989. Enfin, le prix de l'ouvrage nous a été donné, mais je voudrais savoir quel est le prix en librairie à Diakfa. Merci. Je voudrais saluer bien respectueusement le Présidium avec à sa tête l'immense Maître Passeré, à qui je présente tous mes respects, et qui je dis merci aussi pour tout ce qu'il fait pour notre pays sur le plan culturel, mais aussi pour sa jeunesse qui est au centre de l'activité de cet après-midi. Je voudrais ensuite dire bonsoir à tout le monde, notamment aux gens qui sont là. Ce n'est pas une question que je veux poser. Je suis venu à cette cérémonie parce que, contrairement au papa Tal, moi j'ai la chance de connaître le cœur, notamment Jean-Baptiste, qui est un ami. Je l'ai connu depuis 1982. À l'époque, j'étais directeur d'un établissement. Et comme le présentateur l'a dit, notamment, il adore les responsabilités. À l'époque, il était, je crois, le délégué du PERCA. Et pour leurs activités périscolaires, notamment pour l'organisation d'une soirée récréative, il est venu en tant que délégué me voir. À l'époque, j'étais directeur des études dans l'établissement pour négocier les cours, comme on les appelle aujourd'hui, pour négocier les filles de mon établissement pour leur soirée. Voilà, ça n'a rien à voir avec la responsabilité dont on parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça c'est juste pour rigoler. Et voilà l'occasion de notre première rencontre en 1982. Et après ça part aussi les circonstances de la vie. J'étais responsable dans une province, au Naouri notamment, et Jean-Baptiste notamment a été envoyé sous mes ordres comme animateur politique. Et ça nous a permis de renforcer notre connaissance, peut-être de nous apprécier mutuellement, et depuis, eh bien, nous avons cheminé ensemble jusqu'à présent. Je suis venu ce soir pour encourager les jeunes à qui il adresse son œuvre. Vous êtes chargé, jeunesse d'aujourd'hui, peut-être de suivre notre sillage à un certain moment, mais aussi de tracer le bon. Et c'est là que se trouve, comme je disais tout à l'heure, la quadrature du cercle. Parce que si vous n'avez aucun repère, si vous n'avez pas d'orientation, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de sous-bassement de vertu, vous allez tracer votre sillon à partir de quoi? Du coupé décalé. Je ne crois pas que ça soit quelque chose de solide. Je ne veux pas être très long, je ne veux pas abuser, mais je venais juste traduire à la jeunesse le fait que Jean-Baptiste représente, je crois, pour vous, un espoir. Ce n'est pas le Messie, mais il a le courage d'indiquer une voie, s'il vous plaît. Suivez cette voie, testez-la pour voir. Je crois qu'elle pourra vous apporter et du bien. Or, si vous êtes bien, c'est demain le pays qui sera bien. Courage à vous. Bonne chance pour l'avenir. Notamment, ensuite, par la solennité du Présidium et par la thématique ici développée, à savoir une jeunesse responsable. À plus d'un titre, parce que je suis conseiller de jeunesse de formation, je suis le secrétaire général national du syndicat des travailleurs des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle, et également coordonnateur d'un réseau que nous avons dénommé le Cercle africain pour le développement des politiques de jeunesse. Donc, M. Nathan Jean-Baptiste est le parrain. À ce titre, je vais m'appuyer sur la thématique de l'engagement développé dans l'œuvre de M. Jean-Baptiste Nathan. À mon sens, de fait, la jeunesse est un thème récurrent du discours politique africain. Malgré cette omniprésence, des interrogations continuent d'exister sur la jeunesse, et plus encore sur sa relation avec la politique et sa contribution au processus centraux, à savoir la démocratisation et le développement.
À l'occasion du renouveau démocratique, il semble que des missions sociétales soient confiées à la jeunesse et l'on parle de plus en plus de leadership jeune dans la politique et le développement. Mais en se rapportant à certaines réalités de terrain dans différents contextes africains, il me semble que l'engagement de la jeunesse africaine a toujours constitué un problème pour bon nombre de dirigeants africains. Le cas de l'Afrique du Sud avec Julius Malema de la Côte d'Ivoire avec Kwadwo Kouna-Bertin récemment confronte ces temps de vue et nous interroge individuellement. Pour un pays comme le Burkina Faso, et après 30 ans de règne sans partage et à 2 ans de la fin du mandat et du président du Faso, l'horizon semble toujours sombre car notre jeunesse au plan politique demeure pour répondre. À l'opposé de la phraseologie politicienne, excellence, quelle contribution de l'Union africaine à l'égard de la jeunesse pour un équilibrage des rapports de force dans l'occupation des institutions publiques et dans la responsabilisation des jeunes à divers niveaux. Je vous remercie. Merci, M. Raoul Bayala. Je voudrais d'abord commencer par saluer la valeur des messages qu'ont délivré, jusqu'à délivrer chacun des membres du président. Je suis Michael Yadibou, juriste, membre de la Jeune Chambre internationale. Je salue à sa juste valeur le manifeste pour une jeunesse responsable de M. Jean-Baptiste Santama, sénateur de la Jeune Chambre internationale. En ce sens, qu'il véhicule un certain nombre de valeurs, il est important pour nous les jeunes d'approprier afin de prendre, comme lui-même il a su bien le dire, notre destin commun en main. Je n'ai pas une question, mais plutôt une doléance. Je ne sais pas si dans la salle nous avons des autorités politiques ou administratives. Ma doléance serait qu'on essaie de s'inspirer de ce manifeste afin d'inculquer également ces valeurs aux jeunes d'un âge plus bas. De notre système éducatif, on retient que la morale n'est plus enseignée. Il semble que ce projet est de nouveau en cours. Il serait intéressant que ce manifeste soit un guide pour rebâtir sur un nouveau programme de morale pour les classes, aussi bien du secondaire que du primaire. Donc ce n'est pas une question de plus de l'alliance. Merci. Je m'adresse ici au nom du Vatican. C'est un groupe de jeunes assez consciencieux et qui est formidable de présenter ici ce soir. Alors, je tiens à remercier le Présidium pour la brillante présentation de l'œuvre et je tiens également à féliciter l'auteur qui a eu le courage aujourd'hui de traiter d'une thématique qui est à l'ordre du jour, mais dont souvent les politiques et même nous-mêmes les jeunes avons peur d'en discuter. La jeunesse aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, est en perdus. Je suis vraiment heureux de voir cette salle aujourd'hui remplie de jeunes et de quelques aînés. Alors, je vais juste demander aux organisateurs qu'à l'issue, par exemple, de cette cérémonie, on puisse se retrouver peut-être ici pour discuter, pour ceux qui ont lu le document, qu'on puisse discuter. Et comme l'a dit le présentateur, cela permettra à l'auteur d'écrire davantage et de nous permettre encore de lire. Et donc je pense que on ne peut pas savoir comment il s'est comporté durant cette période et que le rôle de l'armée dans la vie politique de ce pays, c'est une question qu'il faut poser, je dirais, sur un plan plus large, mais pas ramener ça à un niveau individuel parce que c'est quelqu'un de fidèle et de loyal et il a dû obéir bien sûr à l'institution et à sa hiérarchie. Donc à ce niveau-là, je ne crois pas qu'on puisse lui faire quelques reproches. Mais il y a un aspect aussi qu'il faudra que vous sachiez. Monsieur Zongo ne l'a pas souligné lorsque nous étions PMK. C'est un homme qui est un acteur de théâtre. Il adore le théâtre et je me souviens grâce à lui, nous nous étions retrouvés en finale lors de la compétition entre les établissements secondaires du Burkina et notamment il était justement celui qui avait incité les dirigeants, les responsables du PMK à présenter la tragédie du roi Christophe. Il faisait partie d'un des acteurs majeurs de cette pièce-là. Donc, et c'était lui qui était toujours au devant des choses pour inciter les acteurs à répéter, à bien étudier, à maîtriser les textes. Donc c'est aussi un élément qu'il faut comprendre
dans sa personnalité. Il y a du tragique dans, chez cet homme, du tragique en lui qui vient de son amour du théâtre. Voilà. Donc, maintenant, je pense que c'est aussi une chance quand même pour la jeunesse africaine que quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui à Addis Abeba, auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine, qui est l'instance aujourd'hui quand même qui impulse la politique continentale, d'avoir quelqu'un qui se retrouve là pour sortir un tel texte. Donc, qui mieux que lui peut en faire là-bas la promotion et aussi sensibiliser justement l'Union africaine au destin et au sort de la jeunesse du continent. C'est tout ce que je voulais ajouter. Le compliment. Donc à présent, je vais passer la parole au MC de la cérémonie pour donner le reste de la soirée. Nous a amené naturellement à l'extérieur pour une petite collation. Les ouvrages spirituels ne sont jamais volumineux. Et avec ce manifeste, Jean-Baptiste notamment, au-delà de la question de la morale, vient encore d'en faire la démonstration. Donc c'est une forme pour moi, c'est un appel spirituel à la jeunesse. Nous parlons de valeurs morales, les anciens parlaient de vertus. Les vertus forment la jeunesse et il faut enseigner les vertus aux jeunes. Donc de nos jours, nous devons retrouver justement le chemin et la vocation justement de cet enseignement-là. Et je pense que c'est le propos de Jean-Baptiste notamment, c'est d'inscrire la morale comme un horizon pour les sociétés africaines qui sont en voie de désintégration morale totale. Or, le nihilisme commence dans une société lorsque les standards moraux essentiels s'effondrent. Et c'est la porte ouverte justement à toutes les démagogies. Et puis bien sûr à toutes les violences. Et c'est ce que lui ne souhaite pas pour les jeunes Africains et également les jeunes d'autres continents. Merci.